Bonjour, ceci est une capsule vidéo très courte qui a le but de vous présenter le minimum de choses pour débuter votre apprentissage du logiciel Zotero. Tout d'abord, installons le logiciel. Je me rends sur zotero.org et je choisis de l'installer si possible sur Mac, Windows ou Linux car c'est là où j'ai accès au plus de fonctionnalités. Je clique sur Download et j'installe le logiciel sur mon système. Ce n'est pas tout, dans mon navigateur favori, Firefox, Chrome ou bien d'autres, j'installe un connecteur, c'est-à-dire une extension qui va me permettre d'aspirer automatiquement des références dans Zotero. Elle est déjà installée ici. Parfois, sur certains navigateurs comme Chrome, vous aurez besoin de l'épingler pour qu'elle apparaisse dans la liste des icônes. Importons automatiquement notre première référence dans Zotero à partir de l'outil de recherche Sophia. Dans l'outil de recherche des bibliothèques Sophia, je sélectionne le document dont je veux importer la référence. Je clique sur le détail et lorsque la page a fini de se charger, je remarque que le connecteur Zotero s'est transformé en petit livre bleu. Je sélectionne cette icône et cela a pour effet de récupérer la référence dans mon logiciel Zotero dans les cases correspondantes. Je me rends sur Google Scholar, je mets quelques mots-clés pour repérer un article dont j'ai la référence et là je pourrais à partir d'ici créer une référence en sélectionnant un ou plusieurs documents. Cependant, l'expérience m'a montré que l'on fait souvent une référence de meilleure qualité, non pas sur Google Scholar mais sur le site qui héberge l'article scientifique. Donc là je me rends sur le site de la revue. Et là, je peux voir que le connecteur Zotero s'est transformé en petite page blanche. Donc là, je sélectionne la référence qui vient s'enregistrer dans Zotero. Dans ce cas-là, elle s'est aussi insérée avec le PDF en pièce jointe. Parfois, c'est impossible de trouver la référence en ligne pour l'importer dans Zotero. Il va falloir que je crée donc la référence manuellement. Pour cela, je me rends dans Zotero et je clique sur le petit plus vert, je choisis quel est le type de document que j'ai entre les mains. J'insère ensuite les informations. Vous remarquez ici que je peux choisir différents rôles comme auteur du chapitre et éditeur du livre. Il existe plein de techniques pour importer des références dans Zotero. Une étape par contre que vous ne pouvez pas éviter, c'est le fait d'aller vérifier les références, car avant de les citer, vous devez être sûr que les informations sont dans les bonnes cases, sans faute de frappe, et que tout est exact. Voici une première méthode pour créer une bibliographie dans un traitement de texte. Je sélectionne des références qui ont été vérifiées dans Zotero, je fais un clic droit de la souris, je dis « Créer une bibliographie à partir des documents ». Je choisis un style bibliographique. Ici, je vais prendre le Chicago Full Note. Je veux une bibliographie finale copiée dans le presse-papier. C'est l'équivalent de CTRL-C, copier. OK. Je me rends ensuite dans un traitement texte et je fais « Coller ». Voici maintenant une deuxième méthode avancée, très intéressante, pour citer dans le texte et générer automatiquement une bibliographie. Je rédige mon texte, je me rends compte dans Word ou LibreOffice que Zotero s'est installé sous la forme d'un onglet ou d'une barre d'icônes. À l'endroit où je veux insérer une citation, je sélectionne Add Citation. La première fois, on me demande quel est le style bibliographique que je veux utiliser. On va prendre le Chicago Full Note. OK. Je vais ensuite chercher avec un mot-clé un document dans ma base Zotero qui est ouverte. Je remarque qu'une note de bas de page a bien été créée comme ceci. Je vais maintenant insérer une bibliographie. Je clique sur l'option Add Bibliographie et automatiquement, tout ce qui a été cité au moins une fois dans le texte est inséré dans la bibliographie. Si maintenant j'insère une autre référence dans le texte à cet endroit, je pourrais aussi demander une vue classique pour chercher dans mon Zotero le document dont j'ai besoin. Ajoutons une troisième référence.
Si je veux rajouter la page pour une référence, je vais sélectionner la note de bas de page correspondante, Add Edit Bibliographie, et je dis qu'en fait c'est à la page 110 qu'il y a cette information. Je peux changer de style bibliographique en tout temps, Document Preferences, et je vais passer par exemple avec le style épié qui se présente sous la forme de parenthèse auteur date dans le texte. Pour aller plus loin, rendez-vous sur le tutoriel Zotero des bibliothèques de l'Université de Montréal.